Et salut à toutes et à tous, c'est Okra. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay découverte sur un MMO en open beta. Alors, pour la petite info, on ne sait pas encore, le développeur lui-même ne sait pas encore, alors que ce jeu sort, je crois, le 10 septembre, en version, on va dire, définitive. Là c'est un peu le stress test. Et le développeur ne sait pas encore s'il veut le faire en free-to-play ou en boîte to play, enfin buy to play, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu problématique quand même, les mecs, va falloir se décider à un moment. Après, pour moi, ce serait un free to play. Il y a très peu de chances que ce soit autre chose, donc je vais le tester ici comme un free to play, puisque c'est quand même Gamigo qui édite, et Gamigo ne fait que des free to play. Donc ça m'étonnerait que ça en soit autrement, pardon. Donc, on est bien sur l'open beta de Otherland. Alors, Otherland, c'est un MMO steampunk et qui a l'air vraiment sympathique, où on doit se créer son propre univers et ça a l'air vraiment pas mal. C'est basé sur les romans de Tad Williams, alors que je ne connais pas, hein, pour être honnête avec vous, mais ça a l'air très sympa et je voulais vous en faire partager une petite vidéo, un petit bout de route ensemble, les premiers instants du jeu sur cette open beta. Alors, on va pouvoir créer notre perso, ben justement, on va pouvoir voir ce que ça donne. On va l'appeler Okrad, pour être original. Alors, pour l'instant, je suis un métamorphe. Voilà. Comme ça, c'est clair et c'est net. Et on a le petit écran de chargement. Alors là, c'est en open bêta pendant une semaine, si je dis pas de bêtises. Là, on est déjà au troisième jour de la bêta. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo avant. Alors là, il y a des trucs à débloquer. D'accord. Alors c'est très spécial, pour l'instant c'est en anglais, je ne sais pas s'il sera traduit un jour ou pas du tout. Apparemment les développeurs ont cette volonté de le traduire un jour en français, mais on ne sait pas trop. Alors je vais le mettre grand. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut le mettre gros, maigre, ok. Bon, on va faire middle, voilà, c'est bien. Donc voilà, on ne sait pas pour le moment, le développeur c'est Drago Entertainment, leur précédent MMO n'avait pas été traduit, mais bon, faute de succès, c'est un peu normal. Là c'est un MMO apparemment avec un gros budget quand même, hein. Ils ont quand même 30 millions de budget, donc s'ils se loupent, c'est chaud pour eux. Hein. Donc voilà, on va tout de suite regarder ce qu'il y a d'autre. Énergie pattern, qu'est-ce que c'est? Ah oui d'accord, ouais, ça c'est pour les traits sur nous. Alors ça a l'air très spécial, hein, bah, c'est complètement... C'est complètement barré comme truc. Bon, on va prendre ça, ça a l'air sympa. Energy color. Ah, bien. Je vais mettre... Bon, au moins, pour le coup, c'est original. Skin color. Je vais mettre en... Voilà, comme... Non, bleu. Oh ouais, regardez. Bleu et jaune, comme ça. On va me voir de loin. Hein. Alors là, pour l'instant, je peux pas déverrouiller ça. Tout ce qui est humanoïde, je peux pas. Alors, est-ce que c'est par rapport... à l'open beta ou pas, je n'en sais rien. Regardez tout en haut, on a 0 bits et crédit 0. Donc, pour moi, ça annonce très clairement un free-to-play. Donc, je l'annoncerai en tant que free-to-play. Mais bon, pour l'instant, les développeurs sont un peu discrets. Ils disent, oh, on sait pas, on sait pas. Ouais, ça sort dans 10 jours, mais tu sais pas, quoi. Voilà, bon, bref. Skin, énergie, voilà. Ok, accepte. Ah, c'est tout. Ah oui, classe sélection. Alors, on a Warrior, Assassin. Marksman, ok, donc c'est une sorte de sniper, et Energizer, et lui il fait du damage, enfin il inflige des dégâts, il fait du heal en même temps, plutôt pas mal. Nous on va faire Warrior, un truc un peu, ah mais on peut tester la classe, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, parce que ça, des fois on se dit, ah tiens, qu'est-ce que ça donnerait et tout, et ben on teste. Avant de créer notre perso, comme ça on se dit, ah ça, ça me plaît, ah ça me plaît pas. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Très bonne idée, Otherland, très très bien. On part sur des bonnes bases hein, pour l'instant. Bon, les persos sont un peu chelous, mais à part ça, c'est pas mal. Ouf, la souris est un peu sensible. Ah, je vais devoir passer mon clavier en QWERTY. Ouais, voilà. Ah, ça me fait penser au truc de Saints Row. What the fuck? Mais c'est carrément Saints Row là quand on est transporté dans l'univers. Oh, excellent. Alors, F. Bon, par contre, je vais passer les textes, hein, parce que de toute façon, je ne comprends rien. Alors, hop. Bah, dis donc. C'est pas mal. Ça a de la gueule. Regardez l'image qui est figée à droite. Bon, c'est la zone de... pour tester la classe. Hein. Alors là, c'est des copains.
Ok, j'ai sorti mon arme. Bam! Est-ce que je peux cibler quelque chose en particulier? Ok. Bam! C'est chelou. Le système de combat est bizarre. Ok. Peut-être pas prendre Warrior finalement. Vous voyez, j'ai bien fait de tester. Peut-être prendre un truc de shoot. Non, j'aime pas, monsieur. Comment on fait? Ah, je peux pas. J'aime pas. Ah, retourne toute classe sélection. Je l'avais pas vu à cause de mon icône action en haut. Bon, j'aime pas le guerrier. J'aime pas beaucoup. Ça me plaît pas trop. On va prendre un truc à distance. Marksman, ça m'a l'air pas mal. Classe test. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Parce que moi, je préfère shooter quand même. Si j'ai le choix dans ce genre de jeu, ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, c'est un petit, non, c'est un gros projet quand même, mais c'est un MMO qui me semble intéressant. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler ici. Hop, merci Jean-Claude. Hop là. Est-ce que je peux sortir mon arme? Yes. Bah, 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 bah. Ah ouais, là ça m'intéresse beaucoup plus là. Ça m'intéresse beaucoup plus. Le système de combat, je le préfère comme ça. Regardez, critical. En plus, si on vise bien. Voilà, ouais, si on vise la tête, ça fait plus de dégâts. Ah, c'est pas mal. Allez, je vais essayer de faire un tir spécial. Alors là, j'ai fait 2. Ok, ouais, c'est beaucoup mieux, ça me plaît plus. Ok. Je teste, hein, pour le moment. Ok, j'envoie une boule. Bon là c'est juste des drones hein, qui foncent et qui nous calculent pas vraiment. Mais en tout cas c'est intéressant. Je préfère beaucoup plus ça. Ah d'accord, une sorte d'AOE. Quoi, tu veux te battre toi? Alors ça c'est certainement pour me remettre de l'énergie. Est-ce qu'on peut courir plus vite? Je ne pense pas. Ok. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, ce qu'on va faire, on va retourner à la classe sélection, on va prendre ça. Et c'est donc cette classe-là que vous verrez dans cette vidéo découverte, le Marksman. Alors, il n'y en aura pas d'autres, hein. Moi, je vais pas pouvoir tout vous montrer, malheureusement. Mais en tout cas, c'est celle-ci qu'on verra. Voilà. Oula. Ok, F. Bonjour. Oui, je suis réveillé. Ah oui, je suis trop content. Oui, left mouse. Ok. Oui! Oh, il parle trop, lui! Ah oui, donc en fait, là, c'est le tuto du jeu, d'accord, complètement. J'accepte la quête. Awaken. Vous voyez que c'est... Bon, c'est particulier, mais c'est sympa. Au moins, ça sort de l'ordinaire, pour une fois qu'il y a un MMO qui sort de l'ordinaire. Voilà, hop, merci Jean-Claude. Voilà, hop. Je passe tout, hein. De toute façon, je comprends pas trop, donc... Voilà, complete. Ma quête est terminée. Bon, pour l'instant, pas de grosses difficultés. J'accepte. Et on va prendre un portail. C'est ça, hein? C'est bien compris ou j'ai pas bien compris? Non, j'ai pas bien compris, je crois. Attendez. Ah, j'ai trouvé une touche, regardez. Pour se faire discret et tout. Ah bah, il est là, le portail. C'est parce que Jean-Claude ne l'avait pas ouvert. Quel farceur, ce Jean-Claude. Vraiment. S'il y a bien un farceur dans ce jeu, c'est lui. Waouh. Eh, c'est pas mal, hein. J'aime bien l'ambiance, en fait. Je la trouve très intéressante pour un MMO. La clé dortoir là. Alors ah. Ok, donc là il nous dit je suis désolé, blablabla, ok.
Allez! Voilà. Ah, il parle trop. Faut que je trouve un simuloïde. Ça doit être ça, là, non? Oui, c'est ça. We are. Bah, je suis au CRAD et je fais des vidéos sur YouTube. Et je me disais que bah, toi et moi, on pouvait faire un bout de chemin ensemble, non? Non. Bon. De toute façon, vous voyez, hein, c'est indiqué 40 mètres, 37 mètres, 35, 33. Vous voyez, c'est très bien indiqué, il n'y a pas de problème là-dessus. Le jeu est plutôt fluide. Ça tourne bien. Le ping est un peu haut, par contre. Alors, je sais pas où ils sont basés leurs serveurs en Europe, mais c'est chaud quand même. Alors hein. Voilà. J'accepte. Alors hein. Voilà. Hop, on passe tout. J'espère que le jeu sera traduit, un de ces quatre, ça pourrait être sympa. Ah, là, on change d'univers. Parce que oui, voilà, l'originalité... Oula, par contre, là c'est moins fluide. L'originalité du jeu, c'est que c'est votre conscience qui crée l'univers. Et donc, d'où les décors un peu déstructurés comme ça, et un peu bizarres. Et ça, c'est très sympa, c'est une très bonne idée, honnêtement. Ok. Ah, je suis à l'arc. Oh, sérieux, je suis à l'arc. Bizarre. Wow. Ah, là, c'est moins fluide, là, d'un coup. J'ai perdu des FPS d'un coup, je sais pas pourquoi. Dégage. Tout à l'heure, j'étais qu'une arme, c'était cool. Allez. Boum! On va se faire celui-là tranquillement. Boum! C'est pas mal, c'est pas mal. Le système de combat est pas dégueulasse. Honnêtement, je m'attendais à pire. Parce que quand on voit les vidéos comme ça, c'est pas très parlant en fait. On le voit, on se dit ouais, c'est pas top quoi. Ouais, mais là. Oh, oh, oh. Elle est où ma vie d'ailleurs? Ah, ça va. Elle est tout en haut. L'interface est petite, je trouve. Après, je suppose qu'il y a moyen de la régler. Mais alors là, l'interface tout en haut, là, je la trouve minuscule. Voilà. On va arrêter de taper. Ça sert à rien, on se fait le dernier, là. Voilà. De toute façon, je gagne que 1 d'XP, hein, donc... Là, je sais pas pourquoi, ici, ça rame. Vous voyez, il y a encore des petits soucis d'optimisation. Bon, ça sera corrigé, hein, de toute manière. Ça peut pas rester comme ça, c'est impossible. Oh, bah là. Ah, mais attendez, si je reste... Non. J'allais dire, si je reste appuyé, peut-être que... Ah, par contre, si je fais clic droit, ça marche. Attendez. Non. Il bouge pas l'ennemi. Hop, quest update. On va même pas les calculer. On va se barrer d'ici. Voilà. Et c'est pas mal, hein. C'est joli, j'aime bien l'univers. C'est particulier, mais j'aime bien. Je trouve ça sympa. Enfin, en tout cas pour le moment. Ouais, c'est pas mal du tout. Pour l'instant, vous voyez, c'est de l'open beta, ça manque encore de musique. Vous voyez que là, il n'y a aucune musique. Alors, paye ton ambiance, hein. Du coup, ouais, tu vois ça, ouais, tu dis, oh, c'est beau, mais... Il n'y a pas de... Il n'y a pas la petite musique épique qui te fait dire waouh, ah ouais, ça va être sympa quoi. Voilà. Mais dans le principe, faut bien se rappeler que ça reste de la bêta, que le jeu doit encore être amélioré, il en a encore besoin.
Mais qu'à l'avenir, ça peut être sympa comme MMO. Hein. Honnêtement, je vais essayer de tuer ce machin là. Drôle de bestiole. Alors, hop, voilà, y a plus. Est-ce qu'on peut ramasser les trucs? Oh! Pourquoi ils sont énervés comme ça? Oh, ils sont mignons! Oh, j'ai même pas envie de le taper! Oh, il était trop mignon. Bon, c'est encore Jean-Claude. Qui nous apprend à jouer, donc. Ah, attendez, par contre, inventaire. Ah oui. J'ai des nouveaux gants, faut que je les porte, quand même. Alors, inventory et tout, ok. Collect fragments from bug. Ok. Bon, je vais devoir te tuer. Petite bestiole toute mignonne. Petit insecte mignon. Désolé. Au revoir. Hop. Alors, comment je ramasse? Bon. Wow! Alors, deux. Comment je ramasse ces trucs? J'arrive pas. J'arrive pas à ramasser les trucs. Non, j'arrive pas. Je comprends pas. Ça disparaît super vite en plus. Quoi, c'est ça? Ah oui, mais c'est ça, d'accord, ok, bah. Dégage. Sale bête. Ok, bon. Ce coup-ci, ça devrait être bon. Énergie pool, ça doit être ça, hein? Je suppose. Non. What? J'ai pas tout compris, là, hein? Ah. Ah oui, bah si, c'est ça. Ok. Bon, bah on va le faire. C'est parce qu'il n'y en a pas dans tous les trucs. Voilà. Le petit truc, ici. Et lui, il va venir m'embêter, évidemment. Par contre, le cooldown, je trouve qu'il est hyper, hyper balèze, quoi. Je sais pas si c'est voulu, mais... Regardez le temps de recharge de mes attaques. C'est hyper long. Voilà, la petite coupe. 3 sur 3, voilà. Ah, faut que je le rende à quelqu'un d'autre. On va passer donc dans un autre monde. Wouhou! J'aime bien ce changement là, c'est sympa. Collecte fragments, lambda. Ah bon, bah c'est ça. Hop. Ok, en fait, on va collecter des fragments un peu dans tous les univers. Voilà. C'est bon ou pas? Non. A pas marché. Ah. C'est moi ou ils vont m'embêter? Peut-être moyen que là je récupère sans qu'il me... Ouais, ça va. Il arrive, mais ça devrait le faire. Boum! N'a pu! Ah, oh là, il y a du monde! Oh là, oh là! Du calme! Attendez. Je crois que j'ai activé un truc, mais... Voilà, lui il est mort. Oh là 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 là.
Ils vont tous venir sur moi. Ah, lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Je vais me dépêcher avant que les autres reviennent. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça repop déjà. Ok. Allez, go. Bon, c'est pas les quêtes les plus passionnantes du monde. En même temps, c'est les quêtes de tuto. Et c'est jamais passionnant dans... dans aucun MMO. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'un MMO où les quêtes de tuto étaient hyper passionnantes. Ça a toujours été, va chercher ceci, va faire cela. Voilà, ça ne déroge pas la règle. L'univers est original, mais le tuto ne l'est pas. Pardon. Oh là là, eh, c'est pénible ici, hein, y a du monde. Hein. Vous allez me foutre la paix, ouais. Dégage. Voilà. Ah, ils veulent pas me foutre la paix. Hein. C'est chaud. Hein. Allez, meurs. Et meurs. Voilà. Et laisse-moi prendre cette petite goutte. Alors, j'ai vu qu'on pouvait récupérer notre énergie entre deux. Mais bon, là, je n'en ai pas particulièrement besoin. On va aller donc dans le troisième. Alors, ici, c'est des soldats, carrément. Vous voyez que le principe est bon parce que, en gros, ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent dans le jeu. Parce que vu que c'est ton imagination, enfin, c'est l'imagination de ton personnage qui crée les univers, bah, du coup, ils vont pouvoir se lâcher et faire n'importe quoi. S'ils ont envie de te mettre des orques, ils te mettent des orques. S'ils ont envie de te mettre des slips qui se battent, ils te mettent des slips qui se battent, tu vois. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est plutôt pas mal et plutôt bien pensé pour le coup. Allez, première coupe. On va prendre la deuxième. Voilà. Oula, c'était quoi ce bruit? Ce bruit de malade. Vous voyez, sinon ça reste à 60 FPS. Il y a de temps en temps des petites chutes de framerate, mais ça va. Ça va encore. Alors lui, on va se le faire. Ceci ne va nous empêcher de passer. Oh ouais, bah c'est bon. Allez, je vais pas m'embêter avec tout le monde, moi. Voilà. Oula! Les fermiers... les fermiers démons, ici. Alors? Tu veux plus tirer? Tu veux plus tirer? Ah ouais. Oh, c'est des zombies. Zombie soldier. Oh, il y a de la viande. C'est dégoûtant. Bon, c'est peut-être pas le plus passionnant ce que je suis en train de vous montrer. Hein. Je suis désolé. En même temps, c'est un gameplay découverte. D'ailleurs, si vous voulez d'autres gameplays hein, sur le jeu, n'hésitez pas. S'il reste dans sa version free-to-play, je pourrais vous en faire, il n'y a pas de problème. Allez, gros. Dégage de là. Voilà. Et voilà. On n'en parle plus. Oh non, il y en a encore un. Mais c'est pas vrai, ça repop super vite en plus. Bon, il y a des petits soucis encore. Hein. Au niveau du système de combat, il y a encore des petits problèmes. Il y a encore des trucs à équilibrer. Je pense que... Oh là là! Mais ça déjà repop sans deck. Dégage de là. Et allez, ici ça repop aussi, mais c'est pas possible. Voilà, bon, je vais pouvoir récolter un truc tranquille ou comment ça se passe? Ça devient pénible. Voilà. Quand on aura fait ça, on sera tranquille. Ah, ça y est. Et talk to le pépère Jean-Paul. Voilà. Et j'ai donc une superbe chemise
De la mort qui tue. Oh, toi, tu vas me gonfler. Pourquoi Tarpop? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, toi? Non. Personne ne t'a rien demandé. Ouais, donc en fait, si c'est long comme ça à se déclencher, c'est à cause du lag. Hein. Il y a clairement du lag sur les serveurs. Je viens de le voir là à l'instant. Tout s'est déclenché d'un coup, en fait. Tout ce que j'ai envoyé s'est déclenché d'un coup. Donc il y a du lag. Serveurs de bêta, ils ont du mal. Là. Ils ont du mal à supporter. Vous voyez, pas de musique, rien pour le moment. Mais c'est très joli. Vous voyez, là, on est dans un décor un peu plus égyptien. Très sympa. Mais ouais, pour l'instant, dans la bêta, pas de musique, pas de voix, y a rien. Y a rien du tout. Allez, dégage. Ah bah. Un peu long à tuer quand même. Ah, et puis je dois en tuer 10. Ah ouais, quand même. Ça envoie du lourd. C'est peut-être pour ça que le guerrier de tout à l'heure, ça déconnait un peu aussi. C'est peut-être à cause du lag, justement. Parce que c'est vrai qu'un ping de 90 pour un MMO, c'est quand même pas mal. Ce serait un MMO classique à la Warcraft, à la limite. Ça se verrait presque pas. Mais là... Là, ça se voit un peu plus, quand même. Ah, j'ai aggro tout le monde. Voilà. Lui, c'est bon. Oh, il y en a encore derrière. Oh là là, j'aggro tout. Au crâne, il est un boulet. Bon, faut que je les tue quand même. Hein. Là, je t'ai envoyé deux attaques à la suite. Je trouvais ça plus dynamique quand j'étais au flingue tout à l'heure. Là, bon, ça l'est un peu moins. De toute façon, on récupère les essences hein, et on se barre d'ici. Eh ben. Voilà. On est à 10 là, non? Ah non, encore un. Oh, il y a le petit là qui traîne. Boum. Voilà. Eh ben. Eh ben. Eh ben dis donc les amis, j'espère que c'est la fin de la zone de tuto parce que... Ok, j'accepte. Ok, je pense que c'est la fin de la zone de tuto. Je pense. Alors découvrez le premier node de power. On va aller voir ça. Waouh. Et là, c'est la guerre. Ouah, pas mal, ça. Par contre, ça, vous voyez, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sens qu'il y a des choses intéressantes à voir dans ce jeu. Vous voyez, là, on est en plein dans les tranchées, quoi. Puis là, après, t'as un barbare. C'est complètement ouf. Oh, je sais pas. Allez, on va aller voir. Eh, c'est bien... Ça, c'est pas mal du tout. Franchement, j'aime bien. Avec tous les trucs figés et tout ça.
Tiens, il y a quelque chose à prendre là. Là, je me disais bien. C'était trop beau. Je suis en train d'avoir très mal. Et j'ai pas d'attaque, j'ai que dalle. J'ai vachement de mal à les tuer en plus. Oh non, il y en a de partout encore. Vous voyez, là, il y a eu un gros lag, par exemple. Il y a eu un méga lag de la mort. Quoi. Le serveur tient pas la route. Je sais bien que c'est des petits serveurs de bêta, mais quand même, quoi. Regardez! Les lags de fou, quoi. Avant que je déclenche une attaque. En plus, j'ai pas d'attaque pour l'instant. C'est un peu chiant. Enfin, j'ai deux attaques. Une pour bloquer l'ennemi. Mais vu que ça lag, bah, il est toujours bloqué, de toute façon. Regardez! Regardez le lag! Ça fait que ça. Lagland. C'est pas Otherland, c'est Otherlag. Allez. Ah bah dis donc. Je vais enfin pouvoir récupérer ce machin. Ce cube bizarre là. Et encore un lag. Voilà, un perso qui est apparu comme ça, grâce au lag. Allez, je désactive. L'autre il se réveille, mais est-ce que j'aurai le temps de désactiver avant? Eh non, saleté de merde. Ouais, ça lag à fond, hein. Je suis pas dans les meilleures conditions pour vous montrer le jeu. J'espère que vous serez indulgent par rapport à ça. Et c'est pas ma connexion, hein. Ma connexion là, elle est impeccable. Ça vient vraiment de chez eux pour le coup. Et encore, j'ose pas imaginer les gens avec une petite connexion. Ça doit pas être brillant. Allez. Mais tire! Oh là là! Regardez ça! C'est lag. Impressionnant. J'espère que sur la version définitive, ce sera pas comme ça, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Puis lui, j'ai du mal. J'ai vachement de mal à le tuer. Voilà. On désactive ça. Oh, le cadavre qui a glissé, magnifique. Magnifique glissade. Vous voyez que tout ça c'est du lag. Tout ça c'est du lag uniquement. Alors on va faire une petite méditation pour récupérer un peu d'énergie. Voilà. Comme ça on est bien. Après on peut repartir sur de bonnes bases. Voilà. Désactivate the third power node. Il y en a un là de soldat. Non. Il est où? Ah, il est là. Voilà, vous voyez, on prend des coups. Bon, c'est pas trop comment ça se passe. Je suis sûr que l'autre, là, il nous a vu aussi. Hein. C'est en train de laguer, donc du coup... Allez. Il fait extra mal. Allez, tue-le, bordel. Que l'on n'en parle plus.
Voilà, j'ai désactivé. Hop. Quest update. Waouh. Non, voilà, là il y a de la musique, par contre. Pas extraordinaire, mais il y a de la musique. Regardez, là ils se sont fait avoir avec le gaz. Non, ça c'est pas mal. Franchement, il y a un univers, il y a quelque chose à exploiter. Alors, est-ce qu'ils le feront correctement? Ça, j'en sais foutrement rien. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, merci. Hop, le petit portail. Puis après, on traînera plus trop non plus quand même, hein, les amis. Waouh! Eh, c'est joli ici, hein. Talk to Sweetie. Mais regardez comment c'est beau, quoi. Le jeu a un univers vraiment, vraiment très, très beau. Regardez le château à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça t'attaque, ça, genre? Je sais pas. Oh. Là, ça m'a l'air d'être un boss, hein. Moi, je suis mal barré, moi, si je dois faire un boss. Ah ouais. Mais il fait que dalle, quoi. On va talk to Sweetie. Destroy obélisque. Ah. Autant pour moi. On va destroy ça alors. Aïe. Ça fait mal quand même. Ouh. Ah bah dis donc. Ah, ça va être pour moi, ça. Ouais! Bon, attendez, il faut que je récupère de l'énergie, parce que je suis pas trop bien, là. Ouais, je suis pas en combat, là. Oh, mais sérieux, il m'en veut, lui, en plus. Donc les problèmes, à mon avis, là, ce qu'ils vont devoir régler, c'est les problèmes de lag avec les serveurs. La petite traduction française qui pourrait faire plaisir éventuellement. Bon, ça c'est pas le plus urgent, mais bon, c'est à faire quand même. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire, mais le jeu a un potentiel. Le jeu a un réel potentiel, c'est pas si mal que ça. Allez. Voilà, deux. Je voudrais pas mourir dans la zone de tuto, ça m'embêterait un peu. C'est là, il va m'en remettre un. Ah non, ça va, c'est pas pour moi celui-là. Allez. Oh bon Dieu, que c'est long. Et en plus, il est immunisé, regardez, contre mes attaques comme ça lui fait que dalle. Voilà, 3. Je vais redétruire le même ici. Ah bah, je me casse pas trop la tête, hein. Là, franchement, avec les lags, c'est quasi injouable. Je vous montre parce que je fais mon devoir de vidéomaker, vous voyez. Mais c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, vous dites, ouais, il est juste long entre deux flèches. Non, non, c'est juste injouable, quoi. Allez. Bonjour madame. Ok. Allez madame. Voilà. Ok.
One last thing. Find Sellars. On va aller voir Sellars. Mais en tout cas, l'univers est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Donc, je vais continuer de le surveiller après cette bêta. Bon, après, avoir le modèle économique, mais en free to play. L'univers est vraiment sympa et ça peut être cool, ouais. Ça peut être vraiment cool. Il est où, c'est Lars? Il est là? Ah non, c'est pas Sellars, c'est Jonas. Machin. Ce qui n'a rien à voir. Oh, ça grandit. Regardez, on est tout petit. Vraiment original. Vraiment, vraiment original. Je sais pas, ça me. J'ai pas la. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça sur un autre MMO. Donc, du coup, ouais, c'est. Bah, c'est sympa. Quand tu te retrouves avec des choses que tu n'as jamais vues. Il y a une musique! Mon dieu! Voilà, c'est ce qui manquait tout à l'heure. C'est bien ce que je vous disais. Là, ça donne un côté tout de suite plus péchu, plus épique. Tin, tin, tin. Allez, c'est Lars, bonjour. Ah, level up! Ah bah, dis donc. Bon, j'ai pas de nouvelles attaques. Hein. Ah non, je veux pas le versus player versus player. Mais... C'est ça que j'avais activé. Ok. Là, ça va un peu mieux. Je pense que c'est ça que je dois tuer. Alors par contre, je sais pas où est la map monde. Il va falloir que je cherche ça. Ouais, c'est eux. Ok, c'est bien eux que je dois tuer. Alors attendez. Ah bah elle est là. Ouais, mais je peux pas tout voir. Malheureusement, je peux pas tout voir la map. Regardez. Je dézoome, mais il faut avoir découvert la map pour pouvoir le voir en fait. Très bien. Je la vois plus. Reviens. Voilà. Neo Grail Force. Hop. Là, il y en a encore une. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Oh là, soldat. Oh là, oh là. Énervés, ils sont énervés là. Allez, voilà, ça c'est fait. Allez, go! Tue-le! Oui, Okrad, tu peux le faire. Nous croyons tous en ta force surhumaine. Ton habilité à l'arc n'a d'égal que ta beauté. N'importe quoi. Voilà, 7.
Ouh, ah bah dis donc. Je vais peut-être taper d'abord l'archère derrière. Boum. Après je vais me rebooster un peu là parce que c'est chaud. Voilà, allez. Récupération. On a besoin de life les amis, on a besoin de life. Alors cette vidéo va durer un peu longtemps, hein, je le sais. Mais je voulais vous montrer un maximum quand même du jeu. Là faudrait que je termine cette quête et qu'on avance un petit peu encore juste pour vous montrer d'autres paysages. En tout cas, les paysages sont super sympas, moi j'aime beaucoup, et le fait d'utiliser l'imagination comme ça, ça permet vraiment de mettre ce qu'on veut dans notre jeu. Et je trouve ça très intéressant comme approche du MMO. Alors après, il y a des défauts, c'est rempli de défauts pour le moment. Et dans l'état, je peux peut-être pas vous le conseiller, sauf si vous voulez faire un petit tour pour voir un peu les univers, bah, comme je suis en train de le faire là. Mais dans l'état, je peux pas vous le conseiller. Très clairement, je pense pas pouvoir vous le conseiller comme ça. Il est sympa, mais déjà les lag serveurs là, c'est juste pas possible. Donc ouais, voilà. Dans l'état, je peux pas vous le conseiller. N'hésitez pas quand même à y faire un petit tour. De toute façon, l'open beta est totalement gratuite, donc vous ne risquez pas grand chose. Essayez d'y faire un petit tour, tester une autre classe peut-être qui sera plus intéressante que la mienne. Ou avec un gameplay qui pourrait peut-être plus vous intéresser. Mais à la limite, ce MMO, il aurait été à ciblage, ça aurait été aussi bien, quoi. Franchement. Hein. Parce que oui, alors, il aurait pas été dans la moyenne actuelle. Les gens, ils se seraient dit, oh là là, c'est pas dynamique, gna 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 gna. Mais, j'ai envie de vous dire, au moins, on n'aurait pas eu ces problèmes de lag. Si tu sais que tu vas pas avoir de bon serveur, ne fais pas MMO Action. Sinon, c'est problématique. Bon, après, là, c'est le stress test aussi. Il y a du monde sur les serveurs. Bon. Allez, on va parler tous ces Lars. T'as vu un peu mon franglish, quand même. On va parler tous ces Lars. Ok. Pourquoi pas. Allez, salut, c'est Lars. Tac, 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 tac. Merci. On va parler à Sweetie encore. Ah bah dis donc, qu'est-ce que je lui parle, elle. On va devenir meilleur pote, hein. Alors à voir, hein. Vous voyez, regardez un pion d'échec et tout, d'un échiquier, c'est sympa. Allez, où elle? Sweetie? Kill the Portal Protector. C'est ça, non? Non, ça n'a rien à voir. Faut que je monte là-haut. En même temps, tu vas pas monter là en bas. Pourquoi mon personnage est lent comme ça? Ah oui! Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Je vais récupérer un peu ma vie avant. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa. Vu ce qu'on a là, on a plutôt intérêt même. Waouh! Ça fait super mal! Super mal, ces petites bébêtes là. Par contre, là, j'ai l'herbe en rase mode qui fait mal, aux yeux. Evading, d'accord.
Ah bah je l'ai eu. Écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on va se faire les deux petits machins là. Ah tu t'es évading ? Ah ouais ! Moi j'aime pas les gens qui s'évading. Ah, ils sont chiants. Allez, meurs. Putain, j'ai l'impression que je fais zéro dégâts, quoi. Tu parles d'un DPS en mousse. Voilà. Il n'y a plus. Alors, est-ce qu'il y a des dégâts de chute? On va le voir tout de suite. Et là, je meurs. Ah ouais, purée. Purée, il y en a. Going home. Ah oui, je veux going home. Comme ça, on va pouvoir voir ma maison. C'est où? C'est là? Ah ouais. Bah j'y suis. Ah. Voyons voir. Ah, la petite cinématique. Donc là, on a fait juste la zone de tuto, les amis. C'était long, c'était laborieux, mais c'est fait. Vous voyez un peu l'univers du jeu? Moi, j'aime beaucoup. Très, très sympa. Et nous voici à la maison! Oui! Regardez toutes ces pubs! On est bien à la maison! Oui, on y est. Par contre, les FPS, là, wow, ouf, cette chute, ouf. J'ai cru que le jeu avait crash, dis donc. Hé hey. Ah oh, bah, c'est sympa, la maison, dis donc. Quel accueil. Laisse-moi tranquille. Je me fais tirer dessus à mort, je vais mourir, déjà. Oh, tu parles d'une maison, ouais. Survive. Ah ouais, faut que je survive. Bon bah je suis mort. Survive rien du tout, oui. Pas sympa l'accueil. Moi je... Voilà, ça fait longtemps que je suis pas revenu et tout. Et voilà comment on est accueilli. Bon, on est bien accueilli, cela dit. Non? Bon bah on est... Non, on est pas bien accueilli. Voilà. Ah ouais, non, en effet. Vous voyez? Elle m'a dit non, non. Tu seras pas bien accueilli. Non, non. Rah, la petite patate dans la tête. Ils sont en train de me traîner au sol, en fait. Ok. Bon. Pourquoi pas. Laudinge. Un petit laudinge. Voilà. Et voilà l'accueil. On y est, les amis. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur cette prison. Je vais donc vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez par exemple d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas. Je ferai peut-être un retour dessus après l'open beta. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette open beta avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Je l'ai déjà dit, je sais, mais j'aime bien me répéter. Bisous!